j'intègre le questionnement des enfants dans les ateliers. À vrai dire, ce sont les interventions des élèves qui guident le déroulement des ateliers, essentiellement lors du déballage des supports. Exemple, si un enfant parle de la mémoire, je vais amener une peinture qui représente l'hippocampe, zone de la mémoire, et on pourra enchaîner facilement sur le puzzle des zones du cerveau. Chaque intervention d'enfant m'indique quel chemin poursuivre, quelle activité entamer. Il n'y a pas de planification des ateliers à l'avance, tout se vit sur l'instant, et les supports ne manquent pas.